Yo tout le monde, c'est Thiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader King 3, dans lequel nous jouons la France, l'Empire français, pardon. Excusez-moi du peu. Ça fait plus d'une semaine que j'y ai pas joué, donc je me souviens absolument pas du tout de ce qui se passait. Juste en reprenant, j'ai vu qu'on allait chercher un comté de Navarre, je sais plus lequel. L'Armagnac? Ça a l'air d'être l'Armagnac. Eh ben on va aller prendre l'Armagnac. La vache, on avait des troupes. Hein. Eh ben mon cochon. Qu'est-ce que je faisais? C'est dur, le grand chef, Witt. Ah oui, c'est vrai. Parce que notre femme était... notre femme. A laissé la vie. On a obtenu l'administration française. Bonne administration française. Ah, je voulais assassiner quelqu'un? La reine Mélissandre. Oui, de l'Autharingie. Parce que la principale héritière, c'était ma pupille fiancée à mon gars de 16 ans. Ouais, ça me revient maintenant. Qu'est-ce que... Tu vas te calmer, toi. Hop, vous deux là-bas, vous allez défendre Bordeaux, les gars. Ah putain, 6 mois le. 6 mois pour les mercenaires. Ah, est-ce qu'on va réussir à les choper? J'en sais rien. Est-ce qu'ils arrivent à peu près en même temps? Ah, je sais pas. Ok, là déjà ils arrivent à le choper. Le fût dérobé. J'ai trouvé ces deux-là dans le garde-manger, me crie mon cuisinier hors de lui en tirant ma pupille, Mélusine et Godafre juste derrière. C'est bien, elle va être sociale. À boire. Oh, j'ai une amitié avec elle, avec la princesse Mélusine de Lotharingie. Ça, c'est bien. Comme ça, on aura vraiment des très bonnes relations avec Lotharingie et je pourrais peut-être plus facilement la récupérer d'une manière que ce soit. D'une manière ou d'une autre. Quand on a gagné la bataille au sud, là... Ah, c'est le roi! Ok, une bataille contre le roi, mais ce sont mes unités de mercenaires, donc je sais pas si... ça va le faire ou pas. De ce côté, on a notre siège. On gagne facilement. Ce serait bien si on pouvait capturer le roi, ce serait plus rapide. On l'a pas capturé, on a fait zéro. On a fait zéro prisonnier de valeur, quoi. Bon, je vais essayer de les suivre. Voilà pour vraiment capturer le roi. Là, j'ai que 25%, c'est pas des masses. Bon, forcément, quand ils fuient, ils sont plus rapides. Ah, on a perdu un médecin de la cour. Faible, faible. Je vais rechercher un médecin. Tu fais pourquoi il y en a médecin de la cour bonne terrible ouais, bon, on va prendre quelqu'un qui est plutôt moins mauvais que mauvais moins mauvais que très mauvais je sais pas si j'ai dit ouais voilà impeccable allez par là ah, il fuit loin quand même hein. De Bordeaux à Incastio. On va finir le siège de la ville qui seront toujours en train de fuir. Du vin, du vin. Ah, la reine Mélissandre va se rendre à des festivités en Rouen, sachant qu'elle est amatrice de vin. Je pourrais la tirer dans une cave de mon château pour y déguster pour une dégustation exclusive. M'assurer qu'elle ne sortira plus jamais. Bon, c'est un petit peu quand même gros, hein, l'inviter à Rouen pour la tuer, non? Ça n'aurait pas pu trouver plus... Moins flagrant?
Anne Missandre, à 18 ans, est morte. Énumérée, sera bientôt oubliée. Ivre de joie de vin et de vin, elle m'a volontiers suivi dans la cave après avoir bu de nombreux bons verres de vin. Elle s'est endormie et n'a pas réagi lorsque j'ai sorti une truelle. Pardon, j'ai sorti une truelle que j'ai méthodiquement que j'ai et j'ai ah putain et que j'ai méthodiquement bloqué la sortie. Heureusement, personne ne semble avoir remarqué l'étrange nouveau mur dans mon sous-sol. C'est quoi cette manie? Non mais, oh, qu'on en parle. Ce qui fait que, en Lotharingie, il y a la reine Mélusine. Comment ça, c'est elle, la régente? Je pourrais même proposer la régente, la régence, non? Je peux pas. Dommage. Bon, au moins, on est bien allié avec la Lotharingie. Il faudra voir si on peut enchaîner avec un peu d'autres mondes. Ça, c'est cool. Ça y est, il n'est plus en train de fuir. Il n'y a plus qu'à le rattraper maintenant. Il n'y a plus qu'à. C'est pas non plus de masse à faire. On va bientôt avoir fini le siège. On contrôle là. Bon, bah, ce qu'on va faire. C'est que je vais placer du monde dans différentes baronnies. Que je vais prendre. Secret dévoilé. Mon vassal, on est accusé. Attention, incestueuse avec sa propre sœur. Ouh là là. Attends. Mais ils sont pas jumeaux? Ils ont le même âge, ils sont jumeaux. Oh la vache. Donc ça couche entre jumeaux, c'est pas ouf ça. Bon. On va faire comme si on n'avait rien entendu. Hein. Ah ok, ils sont arrivés là. Voilà, c'est bon, on a la supériorité numérique. Faudrait bien juste le capturer cette fois. Si possible. Ah, j'ai pas de cavalerie. En cavalerie, c'est dur pour les. Pour choper les poursuivants. Enfin les. C'est dur d'être poursuivant. Mon cœur bat la chamade lorsque je toque. Mon joyau, vous êtes là, c'est moi, Tchob. J'ouvre la porte. Révélant Will, angoissé. Pardonnez-moi, mais je ne peux pas faire ça. J'aimerais, mais c'est trop dangereux. À ces mots, il m'embrasse rapidement et me claque la porte au visage. Oh non! Bon bah il a refusé. Je suis très triste. Faudra que j'aille m'occuper d'eux. Compagnie de mercenaires dissoute, compagnie de mercenaires dissoute, combattant ennemi capturé. Ouais, toujours pas. Toujours pas ouf, hein. Bon, allez, je vais aller choper une baronnie. Pas mal de victimes, hélas. Et rançonner, non. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai moyen de recruter de. Non, je peux pas recruter de. Faction formée contre vous, le comte, c'est qui ça? C'est où ça? Ici, il essaie de former une faction contre moi, lui?
À se méfier. Rester vigilant. Je vais regarder si je peux faire des constructions ou pas dans le coin. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. On peut intégrer le titre quelque part. Alors ça, ce serait un peu abusé quand même. Non, mais si je peux revendiquer des petits coins de ci, de là, mais je vois pas trop en vrai. Naples. Ouais, je vais revendiquer Naples. Voilà. J'ai construit un truc à Évreux et à Lisieux. Tiens, non. Ok. Indication. Oui, tu es très drôle. Tomber est très très drôle. Le duché de Hosbourg. Ouais, carrément. C'est où par contre ça? Ok, c'est en Bavière. C'est Bavière ici, Bavière de l'Ouest. Ah, mais il y a des morceaux de bohème partout, c'est rigolo ça. Du roi Anurf. C'est qui le roi Anurf? Encore en Bavière? Bah, duché de Bavière, non mais je suis. Le duché de Frise. Ok, ça c'est dans le nord. Moi que je vois. Sur grande chefferie, Balaton, je sais pas ce que c'est. C'est là. Ah oui, d'accord, balade. Ouais, ok. Pardon? Défaite? Comment ça? À 1900, à 1800 contre 900, défaite? Où ça? Pardon? Bon. Là par contre s'il gagne, je comprends pas. Du coup, Aubry le timide de Valence là. C'est pas gagné, hein. C'est tendu, hein. C'est fou ça. Bon, normalement, moi je devrais récupérer mes prisonniers. Tiens, toi là. Va à Pau. Bon, ça va. Et le roi, peut-être? Ah, il s'échappe de trois batailles d'affilée quand même. Hein. Trois ou quatre, je sais plus. Bon, t'as fini de fuir? Ah oui, quand il fuit, il fait le tour des Pyrénées. Hein. Il niaise pas. Hein. Bon, lui, il devrait plus me poser de problème, malgré qu'il est toujours le roi à la tête de ses troupes. Ça m'énerve un peu. Toujours rien à construire. Hein. On me demandait qu'est-ce que je recherche là actuellement. Plan de la cité, ok. Non, 6 ans. Ah, bien. Bon, avec les sièges, ça devrait être bientôt fini. Je suis à 90%.
Surtout que là, je vais finir le siège de la baronnie de d'Armagnac. Ah, voyons voir. Rayonnant. Impact du niveau de dévotion plus 100%. Encore deux, j'ai fini mon intérêt. Ça, c'est bien. Ok, là, il va essayer de faire un tour, je sais pas trop. Admusine a amélioré son érudition, c'est bien. On a réussi le siège. On a capturé quelques prisonniers. On appuie nos exigences. Et on donne le comté d'Armagnac, si je ne me trompe pas. Voilà. Lui, tu as une faveur contre moi? Ok. On a bien grandi, hein, quand même. C'est beau. Qu'est-ce que... Quoi? Roi de la guerre? Normande question. De Roger sur les royaumes de Bourgogne en tant que défenseur. Bah oui. J'ai pas trop le choix, par contre, pas de bol, mes troupes sont à peine rentrées qu'on devra pas sortir, et ça c'est pas cool. Je vais lever mes troupes en Issoudun. Merde, me trompe encore. Voilà. Ça met du temps à être recruté par contre. Ah, ça marche pas trop. Je vais rançonner le bourgmestre. C'est qui? Par contre, si tu pouvais éviter de venir chez moi juste pour m'embêter, ça m'arrangerait. Ah, il y a du monde. Ils mettent du temps à se déplacer. Il faut encore un bon mois. Putain, ils font des sièges chez moi, quoi, sérieusement. Ah non? Ah oui, il y a une vraie scission. Est-ce que... Non, je peux pas récupérer. Je me suis dit, est-ce que je peux pas récupérer un petit royaume de ci, de là? On va aller chercher. Là. Ils sont essayés de faire le siège de Mâcon. Ça va se passer comme ça. Oh! Consacrer la lignée. En faisant preuve de suffisamment de dévotion. Et en recueillant les faveurs du clergé, je peux faire en sorte que ma dynastie soit à jamais consacrée comme une lignée sacrée sous la protection divine. Oh la vache, 500 de renommée. Parangon de vertu. Faveur de foi catholique plus 25. Ah ouais, oh oui. Accomplir les derniers rites. Mon dévouement indéfectible envers le représentant du Dieu sur terre n'est pas passé inaperçu. Le pape, Hadrianus, Hadrianus, oh merde, Hadrianus a officiellement reconnu les contributions de ma famille et consacré notre nom pour faire de nous les défenseurs éternels de la foi catholique. Très bien. Ça me va. Mince, on pose... Je me disais, ça avance pas des masses. Ah, héritage de la dynastie, on va continuer sur 100 convergents. Qui va me donner probabilité d'accentuation des traits congénitaux de 30%. Sachant que ce sera très dur de reprendre le flambeau avec vraiment un dirigeant totalement pété. Autant qu'il soit mieux possible. On est bientôt une dynastie notable, en plus. C'est bien. Ok, on l'aide ici. Haute-Bourgogne et Viennois. Ouais, c'est le... On les emmène en Haute-Bourgogne. Besançon. Non, d'ailleurs, on va faire défendre le château. Est-ce que mon allié se fait pourrir la tronche?
Dites-moi que je suis là. Tiens, tu sais quoi? Hop, un chacun. Le roi du Danemark, ok. Oh la vache. Ah ouais, c'est... Ah ouais, la Lotharingie, elle a pas aimé. Hein. Elle a pas aimé la blague. Quelle okay, une petite bataille qu'on devrait gagner. Oh oui, en plus, c'est moi qui l'amène, donc. Faction formée contre vous. Comptez de 7. Ouais, bah forcément, ouais. C'est au balcon. Ça ne passe plus que ça, c'est pas grave. Hop, victoire à 9 châteaux. On a capturé quelques... Oh la vache, ah oui. Et je vais aller essayer d'intercepter la troupe là-bas. Vous avez découvert la culture motte. Votre culture, je veux dire, a découvert le motte. En même temps, c'est mieux. Dérouille tous les bâtiments de fortification de l'ère tribale. Voyons voir. Ah oui. Ah oui, je dis oui, là. Je sais pas jusqu'à où on peut aller. Bah non. Enfin, je pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Mais on va améliorer déjà tout... tous nos ports forestiers, etc. Tout ce qu'on peut améliorer. Heureusement, on a un peu d'argent, on a un peu d'or. Hop là, allez, on passe à l'ancienne Bretagne. Oui, d'ailleurs, le premier épisode, là, ça y est, je l'ai sorti de Let's Play Narratif. Donc, bon, bah, vous voyez à peu près hein, le temps qu'aura mis à sortir le Let's Play normal. Hop, allez, on va pouvoir reprendre. Mais c'est qui vient piller chez moi, lui? Alors, on va faire très simple. Vu qu'il vient piller chez moi, on va. Recruter du mercenaire, ils sont 2000 et des poussières. On va recruter la Confédération Teutonique. Et la bande de Nevers. Voilà, bonjour, bonjour. Bah alors. Est-ce qu'il paraît que tu viens débarquer chez moi? Hop là, on vous attendait les mecs. Ça c'est de la réaction. Alors, irrésistible attirance. Ma petite fille, la duchesse de Valence, a quelque chose de spécial. Est-ce la façon dont elle sourit, ses éclats de rire caractéristiques ou ses beaux traits? Je ne peux pas tout à fait mettre le doigt là-dessus. Mais il y a une chose. Mais au fond de moi, non. Mais il y a au moins une chose dont je suis sûr. Quand je suis en sa présence, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose. Alors, le problème, c'est que c'est ma petite fille. Bon, ok, elle a 25 ans, mais c'est ma petite fille. Je ne peux être... Enfin... Enfin, c'est un petit peu consanguin, quoi. On va éviter, hein. Juste par principe. Quand il sera plus vieux, je dis pas. Peut-être qu'il perdra la boule à ce point-là. Mais là, il est encore. Surtout qu'il. Il vient d'être remercié par l'Église pour son sérieux, etc. Bon. Il a de suite. C'est pas ouf. Peut-être plus tard, on verra. Quand il sera vieux, un vieux croulant qui aura perdu la raison. Bon, comment ça se passe ici? Eh, ça fut pas si facile. Hein. On a récupéré 120 de butin. Et... Propre. Propre.
Et je vais aller continuer, je vais les envoyer au sud vers la baronnie de Dol. J'avais une bataille, bah elle était gagnée ici. Hein. J'ai personne dans le coin, hein. Ah si, voilà. Que je vais envoyer au niveau de Berne. Votre conseiller Pépin est mort de vieillesse. Oh, c'est con ça, le roi d'Italie. Bon, il va m'en falloir un autre. Un duc, je crois qu'il y a un duc qui est pas content parce que il a pas sa place. Roi Arias ou duc Primigenia. Lequel est le moins mauvais? Oh, ils sont tous dégueulasses. C'est ma princesse, c'est ma fille qui est là. Savez quoi, vous êtes des nuls. Vous êtes nuls, donc vous ne méritez pas votre place ici. Bon, eux, ils se barrent, on est d'accord? Des attentes. Vous êtes tout voilà pour moi. J'espère que vous savez que je vous en suis reconnaissant, dit mon la reine Mélisine, qui s'approche de moi dans un rare élan. On s'entend déjà parfaitement. Je vais avoir un petit hameçon. La faction qui vous ciblait a été dissoute. Faction du peuple Acarite, Andalous. Ok. C'est vrai que je dois la marier, ma fille aussi, mais à qui? Ah! Non. Bah non. Une faction irlandaise. Pardon, ah oui. Physique avenant, lent. Ah, c'est con. T'as la moitié qui est bien, l'autre moitié qui est pas ouf. Stop. Nous avons gagné. Facile. Merci, j'ai fait des prisonniers, heureusement. C'est bien d'avoir une alliance avec les Gallois. Parce qu'il faudrait récupérer l'Angleterre au bout d'un moment quand même. Andalouse française, côte de Bologne. Ah oui, je peux aussi m'allier au à ce niveau-là. Prince héritier. Ah merde, on n'a pas d'autres des gosses. Arranger un mariage avec ma princesse. Hein. Faire un mariage matrimonial. Vais lui mettre la pression. Hop. Alors, les prisonniers peuvent être rançonnés. Hop, 50 d'or. Pour le reste, on attendra. Oula. Rival, comte Hersen perd un titre. Ça me va. Oh, il a perdu. Ils en ont perdu mes rivaux. Hein. C'est le même. Notre rival Kersten. En fait, il a tout perdu. Bravo. Bravo à toi. On n'est pas mariés, je sais. M'en fous. Toi et prisonnier. Ah, encore. Cool. On va disperser mes troupes d'ailleurs.
Voilà. Comme ça, en plus d'avoir des beaux châteaux, j'ai encore un peu de fric. C'est qui ça? Il y a du monde dans le golfe de Gascogne. Enzir, ok, ouais. Là, c'est un petit peu. Je peux pas leur proposer la vassalité à cause de la foi, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que je peux revendiquer? Oh la vache. Hongrie. Portugal. Ah oui, je peux faire une guerre sainte. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Roi de Danemark, Ostland, Ostland. Francie orientale. Je sais quoi comme casus belli? Un duché, ouais. J'aimerais bien mettre un premier plié en Angleterre quand même. Oh la vache, le Basileus. Comté, ouais. Peut-être aller à Cornouailles et me faire une petite revendication. C'est combien? Ah ouais, c'est deux, t'as Cornouailles et Devon. Faudrait un. Ah, mon petit casus belli. Oui, ça me va super cool. Un comté de Naples. Ah oui, c'est vrai ça. Bon, on va aller chercher le comté de Naples. Juste toi, par contre, tu vas aller. Hop là. Tac, on va quand même faire lever les troupes à côté. Hein. Faut pas déconner. Et ouais, on va commencer. Bonjour. Ah, c'est parce qu'ils sont orthodoxes. Ok. Bonjour, j'ai une revendication sur ton comté, tu as zéro allié. Un peu de sérieux, mon ami. Ouais, forcément ils viennent de loin donc lever les troupes ça va mettre du temps. Heureusement qu'ils m'attaquent pas. Hein. Heureusement que le bot il est. C'est que je suis pas marié, que je pourrais me remarier avec une gamine, mais bon. Ça me ferait trop d'héritiers. Je pourrais avoir des bâtards, mais pas d'héritiers légitimes, quoi. Pardon? Pourquoi eux ils me pillent là? Que dalle. Où ça? Ils sont en plein dans les terres, mais là je vois pas. Attends. Ah ouais. Ah déjà? Ah bah ok, c'est. Ouais. Bon bah c'est fini. Bah c'était pas prévu, bah tant mieux. Hop. Je vais juste accorder ça. Bah tiens lui. T'as rien toi? Voilà. Hop, et je vais l'accorder au comte de Naples. Bon bah c'était plus rapide que prévu. Rapide. Attends, je peux faire une revendication? J'ai pas de casus belli, pourquoi ça me dit oui? Bah. Original ça. Bon, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, on a passé la demi-heure. J'espère qu'il vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour le prochain. Faudra décider où est-ce que l'on souhaite aller. Voilà, ce sera une bonne question. À très bientôt. Ah. C'est pas lourd. C'était Thiam.
Ciao.